étranger. Bienvenue à Saint-Avold pour cette deuxième journée du championnat national A de basket fauteuil qui voit s'opposer en blanc les Red Dragons du club handi-basket Est-Mosellan face au noir, l'équipe de Bordeaux. Et première attaque, donc on a Mathis Bellers, le numéro 9, grand intérieur mosellan qui joue pour l'équipe des Red Dragons, qui fait 3 secondes. Les Bordelais récupèrent du coup la balle. Alors, au niveau des entrées en jeu pour l'équipe mosellane, et interception de Mathis Bellers, très très grand intérieur qui effectue sa deuxième saison dans le club mosellan. On a Patti Kotibingo qui redonne à Robin Poganić. La balle est sur l'aile gauche avec Sam Bader. Oh, joli 1-2. Très très beau passé là. Et ouverture du score par numéro 11, Patti Kotibingo. Donc les entrées en jeu du côté de Saint-Avold, du côté du club Handi Basket Est-Mosellan, excusez-moi. Donc on a le numéro 11, Patti Kotibingo, le numéro 12, Oki qui vient d'intercepter cette balle, Oki Kitopoy. Le numéro 7, Robin Poganić, le numéro 9, Mathis Beller, le numéro 15, Sam Bader. Et le jeu va très très vite du côté mosellan, avec cette belle fixation côté droit sur la contre-attaque de la part... excusez-moi, c'était pas qui, c'était Ibrahim Guirassy qui a donné à l'intérieur sur Sam Bader. Et la contre-attaque. Contre-attaque bordelaise avec ce shoot d'Arnaud Daniel Lacombe qui a été annulé par l'arbitre suite à la chute d'Ibrahim Guirassy dans la bouteille. Et la balle revient au numéro 9, Thierry Houard, l'ancien de cette équipe. Thierry Houard qui donne à numéro 13, Arnaud Daniel Lacombe. Oh là là, magnifique 3 points de la part d'Arnaud. Et la balle côté droit sur Robin Poganić qui travaille côté droit, appel de Sam Bader à l'intérieur, mais finalement la balle arrive sur Ibrahim et l'arbitre siffle les 3 secondes. La rencontre est arbitrée par Monsieur Doniquin, premier arbitre, et Monsieur Grégory Bonour, second arbitre de cette rencontre. Oh là là, quel dommage, mauvaise passe là du côté de Bordeaux. La balle arrive sur l'épaule de Mostefa. La balle arrêtée par l'arbitre. Cette fois-ci, c'est Ibrahim qui s'est effondré dans la zone. La balle repart. Tir manqué de la part d'Ibrahim qui prend son propre rebond, qui sort à gauche sur Patti. Longue passe. La balle rebondit un petit peu et finalement, Ibrahim réussit à mettre les 2 points et l'arbitre siffle avec une faute au numéro 88, Mostefa Bassi. Je profite de cette petite pause pour annoncer donc le 5 de base de cette équipe de Bordeaux. On a le numéro 4, Abdennour Garbouj, le numéro 88, Mostefa Bassi, le numéro 9, Thierry Houard, le numéro 13, Arnaud Daniel Lacombe, et le numéro 14, Lucas Roy. Lucas Roy, le jeune de cette équipe qui joue encore sous carte verte, qui a bien bien évolué, qui a pris en gabarit, qui s'impose de plus en plus. Et très beau panier d'Ibrahim là sur ce lancer franc. Et on a le droit à un classique de la part de l'équipe mosellane, à une presse tout terrain de la part des Blancs, des Red Dragons. Et Patti là qui va pousser cette balle très agressif, qui repousse l'équipe noire, l'équipe bordelaise encore plus loin dans la zone.
Ils n'ont plus que 6 secondes. Et la presse a payé pour l'équipe mosellane. Ce temps mort pris par Luc Daniel Lacombe, l'équipe mosellane avec ce panier de Mathis Bern mène maintenant 9 à 3. Et toujours cette presse tout terrain qui embête beaucoup les joueurs noirs. Ça y est, la balle vient de passer la ligne médiane. Et on a Arnaud Daniel Lacombe qui joue très très bien la défense là, de Saint-Pader qui a tenté de progression du passage en force, qui marque un très beau panier important, là, 9-5, toujours en faveur des Red Dragons, avec une passe en nouveau à l'intérieur de la part de Robin Pogonic. Et c'est Patty Gotibingo, petit 2 points de cette équipe qui prend le rebond, qui rentre le panier. Leur faute. Et faute sifflée aux 14 noirs là, sur cette interception de Robin Pogonic. Ballon en jeu, Robin Pogonic. International hollandais qui prend la main, qui donne à son compatriote Baptiste Vélez. Mais comment fera-t-il pour monter cette balle là sous l'anneau? Heureusement pour les Mosellans, la balle n'a pas été saisie. Et on a une défense là très très haute de Lucas Roua qui est venu heurter le fauteuil de Saint-Madère au moment du tir. Il y aura donc deux lancers sur cette action. Il va falloir qu'il fasse attention, Lucas Roua. Deuxième faute. C'est parce qu'il est de l'action qui Et premier changement du côté de Bordeaux, c'est le numéro 4, Abdenour Garbouch qui sort. Et Emilien Poddy, numéro 77. Qui fait son entrée sur le terrain. Premier panier manqué par Sam Bader. Second tir manqué également, et rebond récupéré par Lénard. Et tout de suite à nouveau une presse tout terrain de la part des Mosellans, mais cette fois-ci les Bordelais s'en sortent beaucoup mieux. Et c'est Thierry Ouah avec son expérience qui va jusqu'au bout et qui marque 2 points, 9 à 7, l'écart se réduit. Alors sur le papier, l'équipe mosellane des Red Dragons est beaucoup plus forte et Saint-Bader qui réussit à pénétrer dans la zone et prendre un tir facile. Donc j'étais en train de vous dire que sur le papier, l'équipe mosellane est beaucoup plus forte que l'équipe bordelaise. Et c'est renforcé par rapport à l'année dernière avec l'arrivée des deux joueurs de Toulouse, Aïssa Falempe, un grand intérieur, et Topoy de Toulouse, tous deux, ainsi que l'arrivée d'Ibrahim Guirasso de Gennevilliers. Et les joueurs discutent par rapport au coup de sifflet d'arbitre. Grégory Mour là qui est en train d'expliquer à petit bingo son choix. Et donc entre deux, et comme la flèche indiquait l'avantage, enfin la possession à Bordeaux, ce sont les Noirs qui récupèrent cette balle. Avec Lucas Roua qui a tenté une passe sous la bouteille, mais la balle a
a touché l'anneau. C'est vraiment du pas de chance, il s'en voulait un peu. Et on a Ibrahim Guirassy bien servi par Passy, par Paty Coty Bingo, qui a fait un superbe lay-up là côté droit. 13 à 7 pour Saint-Avold. J'ai eu l'occasion de discuter tout à l'heure avec Daniel Lacombe, le coach de cette équipe de Bordeaux. Son équipe a beaucoup évolué depuis l'année dernière. Tous les ans, il y a beaucoup de jeunes du centre de formation et un nouveau système classique d'attaque. Là, avec une longue passe en cloche pour le très grand intérieur Mathis Bellers. 15 à 7 maintenant pour l'équipe des Red Dragons. Et 8 secondes sifflées par l'arbitre. Récupération de la balle par les Blancs, par les Red Dragons. J'étais en train de vous dire à Luc Daniel Acacombe qui regrettait un peu le départ de jeunes joueurs du centre. Heureusement pour lui, il y a quelques anciens qui sont restés, Lucas Roux est resté, et Mathis Bellers encore une fois, qui marque un panier facile suite à cette pénétration. Et les Noirs de Bordeaux attendent l'arrivée d'un Américain pour muscler un petit peu le jeu. On a normalement Jared Aroum Louda qui devrait arriver le week-end prochain. Et faute du numéro 11, Paty Coty Bingo. Première faute individuelle de la rencontre. 17-7, l'écart s'est à nouveau creusé entre l'équipe de Red Dragons et l'équipe de Bordeaux. Sortie. Il reste une seconde de possession et on a un double changement. Issa Palemore qui rentre. Sortie du numéro 11, Paty Coty Bingo, entrée du numéro 6, Sogi, qui n'a pas la même publique, merci les infirmières de Fort. Pris directement de la possession, c'est une obligation et donc on a eu un double changement du côté des Red Dragons avec Safa Lempe, l'intérieur tunisien qui a remplacé Mathis Bellers avec une belle passe en arrière là, de la part de Robin Pogonu sur Sam Bader, Sam qui manque son tir, mais l'arbitre a sifflé, je pense que c'est une faute avec un contact de fauteuil tout à fait du sud. Changement s'est effectué du côté des Red Dragons, l'entrée numéro 6 Soki Kotipoy qui vient également de Toulouse qui a remplacé Paty Coty Bingo. Et cette fois-ci Sam Bader qui porte le score à 18 à 7. Et les joueurs bordelais là qui ont un petit peu de mal à se mettre d'accord sur le positionnement pour le rebond. Allez, la balle est en jeu. Et second tir réussi. Devient difficile là, de trouver. Les opportunités, tentative de longue passe, malheureusement Thierry Ouar a beaucoup de mal sur ce genre de passe très haute. Les premiers tirs manqués, et il s'appelle Mbappé. Mais Poki a récupéré cette balle et a marqué 19 à 7. Et temps mort pris du côté de Jarev, de Luc Daniel Lacombe pour Bordeaux. Il reste 2 minutes 53 dans ce premier carton. Les Red Dragons Mosellan mènent 21-7. Et Luc Daniel Lacombe, le coach de cette équipe de Bordeaux, a pris son deuxième temps mort déjà.
pour essayer de s'en sortir face à cette presse des Red Dragons qui les mettent en difficulté. Apparemment, les conseils ont fonctionné. Arnaud Daniel Lacombe a pu se libérer et prendre le tir. Malheureusement, tir échoué. Bon jeu. Et tir manqué à nouveau. La balle sort. Elle sera blanche pour les Red Dragons. Robin Korenwich sur la même, qui distribue à Julien Fauteux, numéro 14, qui est entré sur le terrain à la place d'Ibrahim Guirassy. Poste pour poste, un point pour un point. Et l'équipe noire beaucoup plus mobile là sur ses remontées de balles. Et c'est un nouveau Thierry Ward qui marque deux points, 21-9, alors qu'il reste 2 minutes dans ce premier quart-temps. Robin Pogonwich qui tourne, qui travaille, qui tente toujours de trouver un intérieur. C'est Oki qui prend le tir. La balle rebondit. La balle sort très rapidement récupérée par les Noirs. Et c'est le numéro 14 qui tente de prendre ce tir. Premier tir de Lucas Rouin a manqué. Arnaud Daniel Lacombe a tenté de la reprendre derrière sans réussite. Et au contraire, sur la bataille au rebond. Et une faute, et c'est Lucas Rouin qui a commis cette faute. Les trois fautes du numéro 14, Lucas Rouin, ont été confirmées par la table, par l'arbitre. Mais c'est vrai que c'est un coup dur pour l'équipe de Bordeaux. Nous sommes dans le premier quart-temps, il reste 1 minute 31. Les Red Dragons, avec ce lancer réussi de Kitopoy, mènent maintenant 22-9 et le roman est noir. La balle est remontée. Tir mi-distance au niveau de la ligne des lancers francs. Tir manqué de Thierry Ward. Et c'est Oki, numéro 6, qui donne à Julien Fleuteau. Julien Fleuteau qui marque et accordé. Accordé au 14 à Julien Fleuteau. Et photo numéro 13, Arnaud Daniel Lacombe. Première faute individuelle d'Arnaud. Et lancé franc réussi par Julien Fleuteau. On a eu une belle bataille à l'instant au niveau de des remontées de fauteuil entre les noirs et les blancs avec un joli geste collectif des Mosellans. Mais ça ne sera pas suffisant. Lucas Roy qui prend un tir à mi-distance là sur le fond, sur l'aile droite et qui réduit le score 25-11. Il reste 42 secondes. Tentative de 3 points de Robin Pogonwich pour aggraver la marque. Et Aïssa Falempe se bat. Et entre deux, sifflé par l'arbitre. Aïssa, très agressif là sur cette balle. Non, non, il y en a eu. C'est moi qui le fais, la flèche. Oui, il y a eu une situation. Il y a eu une situation. J'ai un sur la flèche tout de suite. Oui, il y a eu un entre-deux là-bas. Il y a eu une fois, deux fois. J'ai noté. Non, non. J'ai noté aussi, moi. Parce que j'ai noté ce papier en même temps. C'est moi qui ai la main dessus, genre. Chaque décision de l'arbitrage est contestée là, par les coachings. Aïssa Falempe, très bien, magnifique. Belle pénétration, il a réussi là à sauter Arnaud Daniel Lacombe avec une belle marche arrière pour une pénétration sous l'anneau.
Et Oki là qui est bloqué par 3 noirs. Et Issa Falempe qui ferme bien la porte à Arnaud Daniel Lacombe qui tentait le moindre 1 là, la pénétration. Et c'est Issa Falempe qui reçoit la faute là, sur cette défense agressive très haute. Joli pick and roll de la part de Bordeaux. Malheureusement, Emilien Poddy est trop petit pour monter la balle là, sous l'anneau. Très collectif là, de Saint-Avold. Comme il disait aussi sous la feuille. En jeu. Reprise, second carton avec l'équipe des Red Dragons qui mettent toujours 27-11 ici sur ce terrain de Saint-Avold. Et Arnaud Daniel Lacombe, numéro 13 de cette équipe bordelaise là, qui a feinté Aïssa Falempe, numéro 4 de cette équipe des Red Dragons. Et Robin Pogonic qui se bade tout simplement jusque derrière, qui sert parfaitement Matige Belair qui manque ce panier facile pourtant. Et sortie de balle, les Red Dragons ont décidé de laisser tomber leur presse tout terrain. Et du côté des Red Dragons, j'aperçois d'ailleurs qu'il y a eu un changement à ce carton. On a eu Vincent Jascula, le numéro 10, qui est rentré à la place de Kitopoy, numéro 6. Mathis Belair qui a refait son entrée. On a donc deux très grands intérieurs. Et 3 secondes sifflées par l'arbitre. Longue passe côté gauche sur Emilien Poddy qui rend à Thierry War. La balle circule jusqu'au côté droit Lucas. Lucas Roy qui marque 2 points. Et Michel Mensch, le coach des Red Dragons, qui prend son mort. Michel Mensch, le coach de cette équipe des Red Dragons, qui a pris son premier temps mort de la rencontre pour mettre un petit peu les choses au clair, surtout au niveau de la défense. Défense qui a été très poreuse là sur ce plus 4 de la part des Bordelais. Robin Pogonic qui finalement prend le tir manqué, mais Aïssa Falempe bien placé au rebond. Marque et récupère une faute de la part du numéro 14, Lucas Roy. Quatrième faute individuelle de Lucas Roy et tout de suite réaction du coach bordelais avec l'entrée du numéro 3, Lorenz Préau. 29-15. Première faute d'équipe. Lancé franc réussi par Aïssa. 30-15. Reste 8 minutes dans ce second carton. L'équipe des Red Dragons a du mal encore à trouver ses marques avec tous ces changements au niveau des joueurs. Heureusement, cette mauvaise passe des Bordelais permet aux Red Dragons de récupérer la balle. Et c'est Robin Pogonic qui à nouveau la mène, qui prend l'axe, qui prend maintenant le couloir gauche. Protégé derrière Vincent Jascula et passe facile au-dessus de la défense à Matige Bellers avec la sortie maintenant de Lucas Roy. Ça va vraiment être
une balade de santé au niveau des de deux immenses intérieurs mosellans. La balle circule bien du côté noir et Arnaud Daniel Lacombe a réussi à se remettre tout seul sur ses six roues. Prise de shoot là obligatoire de la part de Mostefa Abassi, quasiment au buzzer. L'équipe bordelaise arrivait en fin de temps de possession. Et cette fois-ci, la passe intérieure arrive sur Aïssa Falempe. Aïssa Falempe qui manque son panier, réclame la faute sans avoir gain de cause auprès de l'arbitrage. Et Mostefa qui sert parfaitement à l'intérieur. Emilien Poddy, mais est trop petit pour ce genre de lay-up en arrière. Et à nouveau Aïssa qui réclamait une faute sur cette action. Mais ses coéquipiers n'ont pas arrêté de jouer. Matij Belerski marque 2 points. 34 à 15 maintenant en faveur de l'équipe des Red Dragons du club handisport est mosellan. Le gabarit physique de l'équipe des Red Dragons va s'imposer de plus en plus au fur et à mesure que la partie va s'avancer et que les Bordelais vont faire des fautes. Et à nouveau un tir au buzzer, mais cette fois-ci réussi. Très beau tir au buzzer là de la part d'Arnaud Daniel Lacombe. Et Robin Pogonwicz là qui rentre tout seul. Aïssa Falempe tente le bras roulé sur ce rebond, mais la balle est sortie en touche par les Bordelais. Red Dragons récupère la possession. Il reste 13 secondes. Julien Fleuteau qui a servi Robin. Robin qui a parfaitement donné dans le bon timing à Aïssa. Aïssa deux fois, trois fois. Mais il est trop avancé sous l'anneau là. Il est vraiment à bout de bras pour réussir cette balle, ce panier. Julien Fleuteau là qui avait parfaitement réussi à arrêter la progression de balle, mais heureusement pour les Bordelais. Et 3 secondes sifflées par l'arbitrage. Heureusement donc pour les Bordelais, le panier il est quand même allé jusqu'au bout et Aïssa Falempe vient d'être averti par l'arbitre. Et double changement là du côté des Red Dragons. On a Aïssa Falempe qui sort numéro 4 en faveur du numéro 15 Sam Bader qui remet ses roues sur le terrain. Et Robin Pogonwicz, le meneur de cette équipe des Red Dragons qui sort, et Patty Kotibingo qui rentre à nouveau. La balle qui circule côté noir, du côté droit. Bon tir là pris par Lorenz Prévost, bien protégé. Sam Bader là qui commet la faute sur ce tir. Première faute individuelle de Sam Bader sur Arnaud Daniel Lacombe qui est pour l'instant le joueur qui marque le plus là du côté de Bordeaux. Et très beau lancer franc réussi par Arnaud. On voit qu'il y a eu beaucoup de travail encore une fois du côté Bordeaux. Deuxième lancé également réussi, il reste 4 minutes 40
dans ce second carton. Paty à la main. Qui prend côté gauche et finalement qui réussit à passer tout le monde côté gauche avec un beau travail collectif de ses coéquipiers pour lui libérer le passage et qui marque un très très beau 2 points et qui ferme le passage un peu violemment là. À Thierry Ouart. Deuxième faute individuelle à part de Paty et Thierry se retrouve, Thierry Ouart se retrouve à nouveau lancé franc. C'est ça, ouais. Premier lancé réussi parfaitement. Pendant que les joueurs noirs de Bordeaux se sont repliés là sur leur côté. Et Arnaud prend un petit peu les choses en main pour mettre en place la défense. Et second lancé parfaitement réussi par Thierry Ouart. Il reste 4 minutes et 11 secondes. 36 à 23, toujours en faveur des Red Dragons. Et Paty qui prend le lancé. Oh là là, magnifique tir là. Un mètre derrière la ligne des lancers francs. Protégé par Sam Bader. Vraiment très beau tir là de la part de Paty. Joli switch. Lorenz Prévost qui rend dans l'axe à Thierry. Oh là là, c'était magnifiquement bien fait. Le pick and roll. Malheureusement, il y avait de la hauteur derrière. Les tirs ont été contrés. Sam Bader qui relance, qui sert Paty. Et Paty, 2 points. On a plusieurs joueurs là, de l'équipe des Red Dragons qui étaient sur la Coupe d'Europe. Dont Paty Cotibingo là qui jouait ainsi que Ibrahim Guirassy avec l'équipe de France. Et 2 points là de Thierry Ouart. 40 à 25 en faveur toujours des Red Dragons. Il y avait également donc, les deux internationaux hollandais, Matige Bellers. Et Paty qui marque à nouveau là. Donc Matige Bellers et Robin Pogonic qui étaient également présents sur la Coupe d'Europe. Lorenz Prévost là qui manque son tir. Toujours encouragé par ses coéquipiers. Et c'est Matige Bellers, le très grand intérieur, qui s'occupe de la remontée de balle. Et qui sert Sam Bader. Mais bon, l'arbitre revient sur la faute du numéro 88, Mostefa Bassi. Apparemment, avant la pénétration. Et changement avec l'entrée à nouveau de Oki Kitopoy, numéro 6, et sortie de Julien Flouteau, numéro 14. J'avais demandé, je suis resté 30 secondes de bas croisé. Les arbitres se tournent vers la table. C'est remise en jeu. Matige Bellers qui sert à l'intérieur. Oki. Malheureusement, la balle ressort. Et c'est Mostefa Bassi, cet ancien de l'équipe de Bordeaux là, qui est revenu cette année dans le club. Et très belle passe. Et un panier très difficile là, de la part de Thierry Ouart. Thierry Ouart là à sa période là il marquait énormément. Alors c'est le plus ancien, c'est le plus petit de cette équipe de Bordeaux, mais son expérience fait la différence. Vincent Jascula qui se présentait là pour le tir mais qui a été pris à deux. C'est compliqué pour Vincent de le mettre dans cette situation. Tire un peu casse-croûte de la part des Bordelais. Mais c'est Vincent qui prend le rebond et qui relance son équipe et la remontée collective
Patty Cutty Bingo s'attendait pas trop là à cette passe d'Oki au dernier moment. Deniquin là qui siffle l'entre-deux, aucun des deux arbitres n'a vu ce qui s'était passé là. La balle étant, a été cachée par les roues des fauteuils. Changement effectué du côté des Red Dragons à 1 minute 12 de cette fin de première mi-temps. On a Ibrahim Guirassy qui est entré à la place de Vincent Vascula. Et Patty qui fait un magnifique appel, très collectif, qui donne la passe à Sam Bader là, qui avait bien suivi le mouvement. La balle côté droit sur Lorenz qui revient sur Thierry Huard. Elle est maintenant côté gauche, en ligne. Oh là, compliqué ça, ce tir l'a pris par de Daniel Lacombe sur l'arrière. Et Patty qui sert parfaitement à Ibrahim. Ibrahim lay-up qui rentre. 44-27. 46-27 maintenant à 15 secondes. Dernière attaque pour Bordeaux. Thierry Huard qui patiente, qui fait tourner, il reste 3 secondes, tire à 3 points, dommage, l'axe était bon, 46-27. Oh, je ne les connais pas, ils avancent. Allez, flèche à gauche. Seconde mi-temps entamée sur le terrain de Saint-Avold. Nous avons toujours les Red Dragons en blanc qui mènent 46-27 face au Bordelais. Mais joli travail à deux. Les défenseurs des Red Dragons ont oublié de switcher là sur ce bloc. Et Sam Bader qui réussit très simplement à marquer là en dessous suite à cette très belle passe de Robin Pogonwich en cloche sur l'intérieur. Et balle récupérée sur cette presse de la part des Red Dragons. Très belle presse. Malheureusement, Patty Cutty Bingo n'arrive pas à fixer cette balle qui rebondit sur sa roue. Et les Bordelais récupèrent la possession. Et la presse est nouveau bien en place. Avec Arnaud qui prolonge et la balle elle arrive jusqu'à Mostefa Bassi de l'autre côté de la ligne. Mostefa. Et c'est Ibrahim Guirassy là qui s'est mis au sol avec son fauteuil. L'arbitre a arrêté. La balle est à nouveau bordelaise. Très belle passe au fond sur Lucas Roy. Mais la balle repart très rapidement et lay-up de la part d'Ibrahim sur cette contre-attaque. Ibrahim très rapide là-dessus, sur ses actions. Et très longue passe sur Lucas Roy. Lucas Roy qui doit se méfier, qui est à 4 fautes. Mais c'est vrai que son entrée sur le terrain soulage énormément son équipe. Un deuxième intérieur tout à fait appréciable. Tentative de 3 points de la part de Thierry. Et Lucas qui récupère ce rebond. Je vous disais qu'il était... Oh là là, on a Thierry Huard qui vient de se faire bâcher par Matisse. Et Robin, il y a main gauche complètement manquée. Balle récupérée par les Bordelais.
Et manque de maîtrise là d'Arnaud Daniel sur ce, cette action en marche arrière pour prendre la passe. Robin Pogonich dans l'axe qui accélère, provoque le rétrécissement et passe à une main là, Sambader qui prend le tir, oh là, tir qui monte, balle qui monte très très haut. Beaucoup d'expérience de cet international belge sur cette action. Il reste 7 minutes 25, 52 à 29 pour les Red Dragons. Thierry Huard qui attend ses coéquipiers, qui trouve Arnaud. Arnaud, longue passe à l'arrière sur Lucas. Lucas qui manque son tir. Robin qui relance tout de suite Sambader. Sambader qui saute un fauteuil, bien bloqué par Arnaud Daniel Lacombe. Et pression défensive de Lucas Roy. Qui permet au Bordelais de récupérer cette balle. Pression de Patrick Domingo, mais là, balle arrive quand même sur Arnaud Daniel Lacombe, numéro 13 de cette équipe du Bordeaux, qui passe côté gauche, qui fixe, qui contourne. Voilà, c'était un peu compliqué, là, le sombre à rouler était mal positionné pour le placer correctement. Et la contre-attaque, un peu compliquée là d'Ibrahim, et encore une fois, quelle fulgurance de la part de ce joueur-là qui nous vient de Gennevilliers. Et bon retour défensif de la part des Red Dragons. Ibrahim là qui n'a peur de rien. Qui monte littéralement sur Lucas Roy pour essayer de lui voler cette balle. Mais c'est sa première faute individuelle, il peut se le permettre. Il reste 6 minutes 17, 52-29 toujours pour les Red Dragons. Du club handisport Esmolzélan. Thierry qui fait une feinte de 3 points mais qui sert parfaitement Lucas Roy en fond de terrain. Et Lucas Roy qui va récupérer une faute avec un 2 lancé avec la faute là. Deuxième faute d'Ibrahim Girassi numéro 12. Deuxième faute d'affilée. Et deuxième faute d'affilée sur le même joueur d'ailleurs. Il reste 6 minutes dans ce troisième quart-temps. Et on a déjà Mathis qui a réussi à se placer sous l'anneau. Et Lucas, avec ses 4 fautes, n'ose plus trop aller au contact pour le bloquer. Mais c'est vrai qu'il faut réussir à l'empêcher, Mathis, de pénétrer dans la bouteille. Une fois qu'il y est, son gabarit fait la différence. Et là, magnifique travail, là, passé 20. Très très beau passé va du côté bordelais, mais malheureusement Mostefa Bassi n'a pas contrôlé son fauteuil. Troisième faute individuelle de Mostefa Bassi sur ce passage en force. Baptiste qui réussit à nouveau à rentrer, mais cette fois-ci il avait les deux bordelais, deux intérieurs bordelais sur lui pour être sûr. Mathis Veller avec ses grands bras qui joue l'interception. Et Robin Pogonich qui sert parfaitement là. Et on a. Non, qui sert parfaitement Patty. Patty qui se retrouve au sol. Et une anti-sportive là qui a été sifflée. Et quatrième faute de Mostefa là. Donc il y aura deux lancers, plus possession pour les Red Dragons.
11 au tir. Premier manqué. Premier lancé manqué de la part de Patty. Second réussi, magnifique switch. La possession, à nouveau blanche, 55-30. Et on entend Luc Daniel Lacombe, le coach de Bordeaux, demander à ses joueurs de faire attention. Il a deux joueurs maintenant à quatre fautes, alors qu'il est en effectif restreint là. Touché. Robin qui enfonce côté droit et puis finalement qui passe tout seul. Je voyais 14, je vois, c'est bon. Après, c'est super, ok, d'accord. Et on a le match à l'intérieur du match là, avec très grosse presse. Chaque déplacement noir est contesté. Et tir au buzzer réussi d'Arnaud Daniel Lacombe. Arnaud Daniel Lacombe. Il fallait le prendre. Et Robin Pogonic à nouveau qui accélère côté droit. Mathis Beller qui contourne. Et finalement c'est Patty Codibingo qui profite du trou. Et qui marque deux points. Et Thierry qui prolonge cette balle sur Arnaud. Arnaud qui attend que ses coéquipiers le rejoignent à l'attaque. Thierry qui prolonge sur Lucas côté droit, qui fait un joli pick and roll avec Mostefa. Mostefa malheureusement qui aligne mal son passe. Et Ibrahim sur cette contre-attaque à nouveau marque deux points. 61-32. Lucas, voilà, qui donne, et finalement c'est Thierry qui prend le shoot, mais Samba d'air contre et relance. On a deux joueurs très rapides là du côté des Red Dragons. Robin qui marque son lay-up, superbement protégé par Ibrahim. 63-32, allez public, on encourage le deuxième. Et Mathis qui met la pression, qui a failli récupérer cette balle. Thierry Noir qui s'occupe de la remontée, qui la donne à Mostefa. Mostefa qui s'est fait contrer sa passe. Sambader dépasse. Il a voulu jouer trop collectif. Là, il a voulu servir Robin. Elle est interceptée. Et Mathis la récupère. La rend tout de suite à Robin. Robin qui demande à ses joueurs de se remettre en place, qui sert côté gauche Patty. Oh, jolie feinte de tir et passe à l'intérieur sur Sam. Sam Bader qui manque son tir. Relance d'Arnaud Daniel Lacombe qui tente le lay-up, mais bien suivi par Matisse. Et Robin se retrouve à nouveau tout seul. Oh là, il a vraiment. Oh là là! On aurait presque dit là qu'il attendait la faute, que les joueurs noirs reviennent sur lui. On lui avait vraiment fait un backdoor magnifique avec une double protection de Patty et d'Ibrahim. Et temps mort demandé par Luc Daniel Lacombe. C'est tout tir. L'arbitre avait sifflé une anti-sportive sur cette dernière faute. D'où le lancer franc de Robin Pogonic, plus la possession à nouveau pour les Red Dragons. Il reste 2 minutes, 66-32 au compteur, et Patty se retrouve en dessous. Là, s'il avait mis ce panier, il aurait été magnifique. Il nous a fait un pivot là avec un tir à une main. Et on entend Michel Mensch, le coach des Red Dragons, demander à ses joueurs de rester pour la presse. Et Aïssa Falempe, marche arrière.
C'est pas pour toi, Patty. Oh là, une anti-sportive là, sifflée au 4 à Issa Falempe sur cette action, sur cette marche arrière. Seconde faute individuelle. Tiens, je te confie. Allez, changement du côté. De Saint-Aval avec l'entrée de Julien Fleutot, la sortie du numéro 12, de Brian Girassi. Merci d'applaudir bientôt. Et bien fort, s'il vous plaît, Julien Fleutot qui fait son entrée. Mustapha Bassi se retrouve donc au lancer, il en aura deux. Sur cette anti-sportive, plus récupération de la possession par les Bordelais. Et dans l'intervalle, nous avons eu un changement du côté des Red Dragons. Julien Fleutot, numéro 14, qui est à nouveau entré. Et le 12, Ibrahim Girassi, qui est sorti. Changement point pour point, poste pour poste du côté des Red Dragons. 66-32, il reste 1 minute 50 dans ce troisième quart-temps. La balle à Lucas Roa, côté droit. Et Issa Falempe, là, un tout petit peu lent. S'est fait dépasser sur le côté droit, là. Robin Poganovic qui travaille côté droit. Sam Bader qui se retrouve à nouveau en dessous. Issa Falempe qui récupère cette balle. Qui contourne, qui attend. Et mauvaise passe, la passe d'Aïssa là, interceptée par Mostefa. Et les Bordelais se retrouvent à l'attaque. Et Thierry War, encore lui, le plus ancien là. Il se révèle indispensable à cette équipe de Bordeaux. Robin Poganovic, 3 points. 3 points dedans. Allez, l'arbitre annonce 2. L'arbitre annonce 2. Mais dans tous les cas, c'était un très beau panier. Accélération là de Mostefa. Malheureusement, il ne maîtrise pas son fauteuil. Allez, applaudissements, encouragement pour nos deux équipes. Avantage, Red Dragon 68-36. Avec vous le public, on le fatigue. On applaudit bien fort nos deux équipes. Allez-y. En fait, il fait échangement. Alors, le panier a été accordé. La faute est au 9. Thierry Ward. Du côté des Red Dragons, sortie du numéro 11. Et un double changement. On a du côté noir, du côté de Bordeaux, Emilien Body fait son retour sur le terrain. Et du côté des Red Dragons, c'est Oki et Aïssa, la chanceux, qui récupère ce rebond. Et encore plus chanceux sur ce tir manqué. C'est Mostefa qui n'arrive pas à maîtriser cette balle qui part en arrière. Il reste 13 secondes dans ce troisième carton. Il faut prendre le tir. Et c'est Sam Bader en possession. Elle arrive sur Robin côté droit. Robin qui donne à Oki. Et Oki qui a tenté la balle en arrière, le panier en arrière. Fin du troisième quart-temps. De cette rencontre. Robin Poganovic qui tente un 3 points pour commencer le carton et toujours 68-38 au compteur en faveur des Red Dragons. Arnaud Daniel Lacombe qui rentre, qui pénètre, qui prend le tir, tir manqué. Robin Poganovic au rebond. Robin Poganovic toujours.
Sambader qui passe la ligne médiane, qui prend l'axe, qui donne à Oki. C'est compliqué ça pour Oki. Heureusement Robin est au rebond, qui donne à Sam. Alors, photo 9 à Thierry Houard sur cette action, le panier est accordé. En 9, c'est la 3e et première. Ouais. Et Sambader se retrouve. Sambader se retrouve lancé. Un seul lancé. 70-38. 15, premier enjeu. Le seul enjeu. Pénétration anticipée de la part d'Aïssa. Du coup, le Bordelais récupère cette balle. Thierry Houard toujours à la main, qui prend l'axe, qui attend que ses joueurs travaillent. Et c'est à nouveau Arnaud Daniel Lacombe là, qui provoque bien du côté gauche. Sambader qui effectue la faute. Deuxième faute individuelle de Sambader. C'est en jeu. Ah là là, mauvaise passe en cloche là. Robin Bogunic a bien suivi. Et cette fois-ci, il manque pas son layup sur la contre-attaque. Robin Bogunic, 72-38. L'équipe des Red Dragons qui est bien partie pour gagner son deuxième match de championnat. Le week-end dernier, ils étaient gagnés à Gennevilliers 47-84, une belle victoire. Ah, on s'attendait à un shoot, tout le monde s'attendait à un shoot. Et finalement, c'était un tir. Mise en jeu pour les Red Dragons. Voilà, quelle mésentente encore une fois entre Robin Bogunwich et Issa Falempe. Physiquement, les Red Dragons n'ont aucun problème pour s'imposer dans ce genre de rencontre. Mais le collectif reste encore à travailler grandement. Cela s'était notamment vu lors du trophée des champions avant d'œuvre. Issa Falempe qui a été bien collectif, là, qui a bien servi Robin Bogunwich. Trophée des champions à Vendeuvre, l'équipe des Red Dragons affrontait l'équipe de hier. Et malheureusement, ils se sont inclinés devant le collectif de hier qui était vraiment impressionnant. Encore une fois, une très longue passe là, Robin Bogunwich qui tente de récupérer, mais elle était trop longue. Thierry Houard qui sert à nouveau Lucas Roa en fond de ligne. Julien Froteau, petit 1 point, ne peut pas faire grand chose devant le grand intérieur. Robin Bogunwich en passe avec sur Aïssa Falempe. Aïssa Falempe qui ressort de la bouteille, qui donne un Sambader. Oki dans l'axe. Ah, dommage. Pourtant, il a tout donné là sur ce tir. Il s'est même déséquilibré en arrière pour être sûr de ne pas être contré. L'équipe des Red Dragons qui s'est déjà repliée en défense. Juste Robin là qui reste un petit peu. Oh,
Sabine Poganovic qui va tenter de feinter là et d'attaquer Thierry Ward qui sert à nouveau Lucas Roy. Lucas Roy qui se retrouve face à Julien Fleuteau. Dans la même configuration que tout à l'heure, Thierry a réussi et faute de fauteuil de Julien Fleuteau, numéro 14 de l'équipe de Red Dragons, numéro 14 de l'équipe de Bordeaux. Premier et deuxième, c'est ça. 14 tir manqué, rebond récupéré par Issa Falempe. Issa Falempe qui a bien fait le trou, qui s'est bien positionné. Oh là là, beau geste technique là de la part de Robin qui a croisé dans la bouteille et qui a réussi à 180 pour se placer pour son tir. Le Bordelais qui passe la ligne médiane, Thierry Ward qui s'en empare, qui saute Julien Fleuteau grâce à son élan qu'il avait pris et faute de Julien Fleuteau sur ce tir. Deuxième faute individuelle de Julien Fleuteau. Il reste 6 minutes 13, 76 à 42. Le match a vraiment pris un faux rythme là dans ce dernier carton. Premier tir manqué de Thierry alors qu'il avait réussi les précédents. On sent la fatigue, il a fait tout le match. Et second tir réussi. Issa Falempe qui fait bien le trou pour décaler Julien Fleuteau, tir côté gauche. C'est sa position. Julien Fleuteau un gaucher là qui apprécie les tirs à 45 à l'aide de la planche sur le côté. 78-43, il reste 5 minutes 47 à jouer dans cette rencontre. Oh, belle prolongation, là, du très joli collectif. Et Robin qui se précipite, qui réussit à sauver cette balle avant qu'elle sorte et qui prend le tir. Avec l'entrée du numéro 3, Laurence Mego du côté de Bordeaux, merci d'applaudir bien fort. Sortie du numéro 77, Emilien Baudy. En jeu. 80-43, changement du côté de Bordeaux. On a nouveau Lorenz Prévost qui est entré le 3 à la place d'Emilien Baudy. Numéro 77. Et Moustapha qui échoue à nouveau sous l'anneau là. Mais les Bordelais récupèrent cette balle. Lucas Roy qui resserre à nouveau, qui fait de bonnes passes là, c'est dommage que Moustapha n'arrive pas à conclure. Sam Bader à la remontée de balle, mais mésentente, heureusement Julien Fleuteau la récupère, il prolonge à Robin sur le côté gauche. Robin qui provoque, voilà, belle passe à Issa, mais à Issa qui manque à nouveau son tir. Ah, il n'est pas vraiment dedans, il n'est pas vraiment dans le match là, Issa. Et très bon bloc avec un jeu collectif pour permettre à Arnaud Daniel Lacombe d'aller jusqu'au bout. Ça manque un peu de hargne là du côté des Red Dragons. Robin Poganovic qui sert Sam Bader. Sam Bader qui prend le tir, la balle roule. 82-45, il reste 4 minutes 13. La ligne passe, la balle passe la ligne médiane pour Bordeaux. Moustapha qui donne à Arnaud sur Thierry. Et Aïssa n'arrive pas à capter cette balle. Changement du côté des Red Dragons. Rentrée numéro 10, Vincent Jascula. Et sortie de Julien Fleuteau.
la sortie du numéro 14, je viens de te montrer de Vincent Jascula qui fait son entrée sur le terrain. Merci de l'applaudir bien fort. Ok, 5. Tire. Tir de Thierry Howard, tir manqué. Cette fois-ci, le rebond est bien capté par Aïssa Falempé. Et splendide main gauche de Robin Bogdanovic là. 84-45. Joli tir de Lorenz Prévost là sur le côté gauche. Les Red Dragons ont décidément baissé dans leur pression défensive là. Geste collectif là de la part des Red Dragons avec Sam Banner qui avait provoqué le moins et qui a fait un bon retour milieu de la défense. Et encore une fois, joli tir de Lucas Roy. C'est sa position là, le long de la ligne de fond. Profite du fait que la plupart du temps, soit un petit point là qui monte sur lui. C'est un tir compliqué qu'il prend chaque fois, mais avec un bon pourcentage de réussite. Et à nouveau un passe va réussi. Non, c'est pas dit encaissé toi. Pas dit encaissé. C'est vous qui avez marqué, papa. 2 minutes. Et les Bordelais là avec Lucas Roy à nouveau en fond ligne qui remet au milieu sur Thierry. Ok. Faute aucun Sam Bader. Double changement du côté des Red Dragons avec l'entrée à nouveau de Mathis Bellers. Ce qui n'empêche pas un très beau tir là extérieur. 88-51. Toujours en faveur des Red Dragons, mais il se laisse un petit peu aller là sur ces tirs extérieurs. À une distance, ils ne mettent plus la pression suffisante. Et Julien Flotteau, non, excusez-moi, Vincent Jascula qui prend le tir côté gauche, mais tir manqué. Il s'envoie un petit peu là, mais il revient fort au niveau de la défense. Et Mathis Beller qui ne peut que constater la contre-attaque des intérieurs là, un joli jeu à deux des intérieurs bordelais. 88-53. Paticotti Bingo qui sert au qui, tir de qui manqué. Et on a entendu là les mains claquer sur les bras. Et faute sifflée au 6 blanc, 6 des Red Dragons, Oki, Kitopoy. Et comme le cône est levé, on a les 5 fautes d'équipe, il y aura 2 lancers. Il reste 1 minute à jouer, 1:04 pour être précis dans cette rencontre. 88-53. Pas de chance là pour Arnaud Daniel Lacombe, encouragé par ses coéquipiers, la balle ressort de l'anneau. Un grand silence dans la salle. Et switch Ça y est, nous sommes entrés dans la dernière minute de jeu de la rencontre. Paticotti Bingo
qui attend, qui donne à Vincent. Vincent la rend à Paty. Paty sur Matisse. Et Vincent, voilà, qui a débordé côté gauche et qui marque ses deux points. Il est content, Vincent. Encouragé par son banc et mauvaise passe des Bordelais. Fauqui qui donne une longue passe à Issa. Issa qui sert parfaitement à l'intérieur. Paty Cotimingo. 92-54. Il reste 32 secondes. Et Vincent qui va encore à l'interception. Et à nouveau, jeu intérieur-intérieur. Matisse, cette fois-ci, a laissé traîner les doigts au bon endroit. Il a intercepté la balle. Mais dans l'action, les fauteuils se sont entrechoqués, entremêlés. La balle est en possession des Bordelais. Il reste 17 secondes dans la partie. 14 secondes de possession pour les Bordelais. Arnaud Daniel Lacombe qui travaille, temporise. Il donne à Thierry. Il reste 2 secondes dans la partie. Temps mort pris par les Red Dragons. Sur Aïssa Falempe qui prend le tir qui manque, le deuxième tir manqué aussi. 92-54.